Toi là, tu fais quoi ici? J'espère que tu ne m'as pas suivi dès. Non, je suis venu pour le casting. Donc toi comme ça là aussi, tu veux devenir acteur quoi? J'ai ça dans le sang. Attends, tu vas voir. Bonjour, vous êtes là pour le casting? Oui monsieur. Non hein, je suis le seul acteur ici. Elle est là pour... Tu es là pour quoi même? Tu as foutaise hein? Toi gérant de cabine là, tu as quel talent même? Et toi même? Bon ok, écoutez, venez tous les deux, on va vérifier ça. Tu n'as aucune chance contre moi. Tu es trop bête. Qui t'a dit que c'est compétition? J'ai le sentiment que mon cœur saigne. Tout s'écroule autour de moi. Même l'amour m'est inaccessible. Non, ne dis pas ça, Edouard. Ça me fait de la peine. Oui, mais c'est maintenant que tu dis « Mais je t'aime pourtant !» Et puis tu l'embrasses. Quoi? Non, mais c'est pas écrit dans le scénario. Justement, c'est là qu'intervient ton talent d'actrice. Attends, elle connaît pas, je vais lui montrer. Ça va pas, non? Imbécile. La petite me dit non, moi je suis trop gros, elle n'aime pas les gros. Tu m'écoutes, non? Je vais partir, hein? Pardon, c'est ce que je veux même, faut partir. Mais Joe, ton casting là s'est passé comment? Va chier, tomato. Marc, bébé, on dit quoi? Donc moi, je ne peux pas t'appeler bébé, quoi. Ça là, c'est pour demander l'argent. J'ai besoin de 20 000 euros. Aïe, mais fais juste un dépôt. Ok, je suis à la vieille cabine de la Jagaï, là. Je t'attends. J'avais besoin d'ajouter vieille là-dessus. Hé, pardon, hein. Marco, tu es trop beau. Louis, je sais que tu as besoin d'argent, hein, mais n'exagère pas. Moi-même, je sais que je ne suis pas beau. Aïe. Ha, toi-même, tu connais. Toi, tu enlèves ta bête dans notre affaire. Quand on parle de notre affaire, tu te tais. Hé, hey, le beau gosse, appelle l'affaire 500. Regarde-moi, voleur là, cause 500. Non, laisse ça, bébé, c'est rien. La diagaille, mets ça sur ma note. Mets ça sur ma nienne. C'est qu'à leçon bleue, tu n'as jamais vu. C'est avec sa chaîne noire, tu vas rentrer au village. Tcho. Yo, y'a quel way même? Tu n'as rien remarqué, hein? Quoi? Tu vois pas que mon visage a changé? T'es devenu Zoho! Non, c'est pareil. On dirait même que tu es devenu plus laid. Ça ne m'atteint pas, bro. Ça ne m'atteint pas, jaloux là. Ok, ok. Tu as mis quoi dessus? Laisse ça, c'est un secret. C'est pas par rapport à ton rendez-vous, hein, Michou là? Ah, tu es au courant? Ouais, ici au courant. Tiens, Dieu. Ouais, je sais. Mais ton secret que tu as frotté sur ton visage là, j'espère que c'est pas Befley qui t'a donné. Hein. Ah, pourquoi? C'est pas bon quoi? Tiens, y'a ton cousin qui est passé tout à l'heure. Qui ça? Marco quoi? Ah, André, il drague le ouin. Ah! Bon là, c'est un maudit, hein. Tiens, ici au rouge, hein, André, fesse de babouin. Oh, je vais inviter Gola. Mon vieux père! C'est comme un petit, tu es bien accompagné. Hein? Une minute, hein, bébé. Je m'entretiens avec mon vieux père, puis je te reviens, ok? Ok, chérie, pas de soucis. Petit, tu manges bien. Ah, mon vieux, on se débrouille comme on peut, hein. Je lui ai comment qu'il y ait deux magasins de pain, mon vieux. Elle t'a cru. Hé, hey, tu sais qu'il y a une étude qui a démontré que le GABA augmente l'intelligence de 30%. C'est que tu devras manger tous les jours, hein. Justement, il y a un garbadrome à côté ici, là. Allons ensemble, on va... Tu es malade. Je ressens ma femme qu'on invite au garbadrome. Ah, mais toi-même, tu es... Mon vieux père! Et toi, là, il fait chaud, hein. La vieille mère, faut pas mettre ta gamme sur moi, hein. Allez, là, ici, en chiqueté même. Ah, petit, t'as déjà mangé ça? Ouais, le vieux, le mouvement est jazz. Tu as loc, hein. Ici, là, des mouvements trop exigeants, tu es. Oh, y'a rien de bon. La gagaille, tu crois que je sais pas que c'est de moi tu parles? Ça là, c'est rien de bon, non? Hein? Ok. Laisse toucher quoi? Aïe, la vieille, on doit toucher, vous labelliser le matos ou bien? Qui en? Tu vas toucher quoi? Non, mon vieux, c'est toi seul qui touche. C'est comment, mon gars? Tu as pu inviter les tuyaux au garbadrome, là? Ouais, toi aussi, c'est un petit problème. Hé, bro, tu as toujours le dernier mot, gars, tu es non ici, fin. Tu es un soldat. Non, ça aide elle à accepter ou bien? Oh, laisse ça. Dis-moi, tu as vu ton cousin deux jours là? Marco est rentré au village, hein, man. C'est chaud. Léo, il a dépouillé.
Monsieur Duchaud, vous êtes tellement drôle. Ah oui, c'est la première fois qu'on me trouve drôle en fait. Et puis, vous êtes si beau et séduisant. Eh ben ça aussi, c'est la première fois qu'on me le dit. J'aime bien votre nez. C'est plutôt votre compte en banque qu'elle aime, ouais. Tu connais pas encore. T'as tué, bro. Je m'étonne moi-même souvent. C'est qui, lui? Ignorez-le. C'est un malade mental qui raconte toujours des imbécilités. Elle a joué un champion. Cécilia, ton maudit a puissance. Ne faites pas attention à lui. Ton papa qui est malade mental. Arrête de me regarder comme ça. C'est hyper gênant. Je suis trop fan de toi. J'espère que tu m'as appelé pour m'annoncer que tu as eu du boulot. Bien sûr qu'il y a du boulot. Ah bon, c'est super ça, Tomato. Tu vois quand tu veux. Ouais, t'as même Chandra qui est prêt pour toi. Et c'est quoi comme travail? Je suis écrivain. Aïe, mon deuxième livre sort bientôt. Le titre c'est « Eux, ils travaillent pour nous, nous on mange ». Ton grand frère ne va pas aimer ça. Hein. Je sais, mais le message passe quand même. Le premier match au moins. Ils ont acheté deux, c'est déjà quelque chose. Tomato, c'est la Gaga et moi seulement qui avons acheté pour t'encourager. Vous deux seulement? Ouais, les habitants du quartier là sont des barbes. Joe, il paraît que Cécile est partie finalement et le vieux blanc là. Ouais, j'ai échoué, ça me fait trop mal, bro. Moi, c'est plutôt les blancs qui vont venir me chercher ici pour mon talent. Ah bon? Ouais, mon deuxième livre sort bientôt, ça fait le buzz à l'heure là. Ça fait buzz et puis personne n'est au courant là. Faudrait toi, tu n'es pas au courant, Kaoula. Rappel passe.